À voter. Madame Dumont, en procuration, vous avez dit. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter.
donc, oui, ce que j'ai balancé, là, le nombre de candidats donc, a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc, si vous traduisez le quotient électoral, donc ça fait sur 15 postes qui sont attribués à la commune des Gletons, il y en a 13 pour la liste Ensemble d'Action et 2. Et deux donc pour la liste Transition citoyenne. Voilà. Et pour les suppléants, donc il y avait 5 postes suppléants, il y en a 4 pour la majorité et 1 pour l'opposition. Donc ça veut dire alors les délégués titulaires. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Jean-Marie n'a pas participé au vote, parce que donc il est automatiquement. Non, j'ai participé, mais je ne suis pas candidat. C'est qu'il n'a pas été candidat. Donc ce qui fait que. Alors donc pour nous, pour la commune des Gletons, donc Ferré, Dubouchot, Dalten, Guimpier, Cotin-Souza, Ferrat, Colbel, Rivet, Cassé, Bouillon, Bob, Octavien, Carrara, David Aumont, Olivier, Villa et Danny Vidal. Et les suppléants, donc dans l'ordre sur les lignes, donc Annie Dassol, Mathieu Olivera, Lydien Villalba, Stéphane Coty, Laurent Lacroix. Et pour voilà. Donc, après, donc, il faut qu'on démarre, nous, il y a quelque chose de... Allez, demande du bureau électoral, il va signer les 3 PV. Demande du bureau.